Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Aujourd'hui nous allons encore faire un petit tour du côté de la Guinée-Conakry où le général de brigade Sadiba Koulibaly a été bombardé général de division. Tandis que le général Sadiba Koulibaly sera plutôt bombardé ambassadeur de Guinée auprès de la République de Cuba. Qu'est-ce qui se passe réellement entre le colonel Mamadi Doumbouya et le général Sadiba Koulibaly? Pour plus de précisions en ce qui concerne ce sujet, notre correspondant à Conakry vous en dit plus. Il est très probable que Mamadi Doumbouya a donné une deuxième chance au général Bala Samoura et ce dernier a su la saisir et a fait ses preuves, raison pour laquelle il est quitté de général de brigade au grade de général de division. Quant au général Sadiba Koulibaly, ce dernier avait été nommé à l'aménagement du territoire et de l'habitat, quelque chose de ce genre. Il a refusé cette nomination, d'où son limogeage quelques temps après sa nomination. Mais cela était dû au fait qu'il avait été frappé injustement, car il était accusé de certaines choses dont il ne reconnaissait pas réellement. Accepter ce poste de ministre devrait être comme s'il acceptait une punition. Pourtant, il n'était pas coupable en réalité des chairs d'accusation qui pesaient contre lui. Alors, Bala Samoura a su saisir sa deuxième chance et aujourd'hui est général de division. Quant à Sadiba Koulibaly, il a préféré être digne car nous savons que la Guinée a toujours su garder sa dignité. Car lors de l'indépendance, Ahmed Sékou Touré avait dit qu'il préfère la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. C'est ce que a donc choisi Sadiba Koulibaly. Alors, il reste donc un élément très dangereux, raison pour laquelle Mamadi Doumbouya préfère le bombarder ambassadeur de Guinée auprès de la République du Cuba. Car on dit, garde ton ennemi très loin de toi. Garde ton ami très loin de toi, ton ennemi encore plus proche. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonné, restez à la chaîne, partagez si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.